François Grondin, je suis professeur adjoint à l'Université de Sherbrooke en génie électrique et ingénierie informatique et je suis membre associé du CRASH UDS. Ma recherche porte principalement dans le domaine de la robotique à joindre les méthodes d'audition pour les porter sur un robot. Donc, on effectue entre autres de l'audition artificielle en utilisant une matrice de microphone pour annuler le bruit produit par le robot lui-même et localiser des sources sonores qui nous intéressent et rehausser ces sources-là pour pouvoir effectuer différentes tâches de reconnaissance, dont la classification sonore. On utilise également, on fait de la recherche également pour faire la localisation de drones par le son. Donc, avec des matrices de micro distribuées à l'extérieur, on peut localiser et trianguler un ou plusieurs drones et à l'aide de méthodes de filtrage, faire des suivis en temps réel de leur position. Dans ma recherche, je m'intéresse également au rehaussement de la voix. Donc, utiliser des méthodes d'apprentissage profond pour faire du rehaussement en temps réel de la voix humaine. Donc, par exemple, avec une petite matrice de micro connectée à un ordinateur pour pouvoir mieux entendre ce qui est dit par la personne. Donc, le but, c'est de réduire le bruit et également effectuer de la séparation quand il y a plusieurs locuteurs qui sont actifs simultanément.